parce que dans tous les autres pays, ça va rester même. Pas seulement en Guinée, parce qu'il n'y a pas d'argent. Et tous les prix sont montés. Moi, j'ai déjà vu qu'en Côte d'Ivoire, il y a des problèmes. Et tous les prix vont monter en flèche. Tout, mais c'est que vous ne suivez pas. Il faut suivre quand même un peu. Il faut suivre un peu TV5, il faut suivre un peu la situation. Est-ce que quelque chose ne vous frappe pas? Pour éviter des divisions, il faut mettre en place une gestion collégiale. Pour éviter, parce que comme il y a, pour le moment, on a deux choses. Nous réunir et tirer les autres. Par exemple, Faya m'avait soutenu. Ensuite, à travers deux fils de l'abbé, on peut gagner les gens de Saint-Louis avec qui j'avais commencé à travailler. C'est-à-dire, il faut élargir et tirer le tapis sous ce loup. Il y a des gens qui peuvent nous aider pour ça, qui avaient commencé à travailler avec les gens de Saint-Louis. Et il y a un centre de jour qui veut faire le retourner chez lui et qui veut le déstabiliser. Bon, s'il y a. Mais j'explique, tous ces gens sont avec nous. Si nous ne pouvons pas dire ces gens. Et je crois qu'il est très déçu parce que lui, il pensait que le changement allait les aimer. Et je crois que c'est eux qui vont se poser le plus à Lumbuya. Parce qu'il ne faut pas diviser maintenant. Il faut créer. C'est-à-dire, il faut permettre que les jeunes qui sont pour quelque chose, qui sont pour Kabil se retrouve, il faut une élection collégiale avec ces choses, Kassori, Kabil, quelques personnes, une élection collégiale qui sont plusieurs dans Maro, et puis choses, non. Bon, Kabil, Kassori, Damoro, il faut un peu. Moi je vais m'occuper. Je vais essayer. Moi je vais.